derrière un port. Enfin, qu'on vient quand même. Lui mettre une sonde à l'arrière ou nous, on rappelle, il n'y a pas de possibilité. Alors, on a un double poney d'une vingtaine d'années qui s'est échappé de son enclos. À proximité d'un pavillon individuel. S'est échappé dans la nuit et il est tombé dans l'escalier qui mène au sous-sol du pavillon et n'arrive pas à se remettre sur ses pattes pour sortir de lui-même. On va rétinquiliser le cheval et le mettre en anesthésie générale. Alors, je pense qu'il faut rassembler les deux postérieurs. Ouais. Ok. Donc toc toc, ça s'est mis. Et ensuite, nous, avec les élingues tissus, on fait une tête d'alouette au niveau des goulets là, directement sur les pattes. Ça, c'est vraiment la sécurité pour pas qu'il puisse se débattre. D'accord. Et le restant, c'est vraiment pour le levage. Et vous ? Avec l'aide du vétérinaire de la famille, les deux équipes SPAN ont anesthésié l'animal et le sortir d'un engin de levage. Et le sortir en mode chirurgie par les pattes et le remettre dans son enclos pour qu'il puisse se réveiller tranquillement. L'animal n'est pas blessé. Donc ça nous simplifie. Tout le monde s'écarte là, il y en a qu'un seul. C'est bon, on est au-dessus là. C'est bon. Allez, qui lève ? On pivote les gars, on pivote ! Le doc, il a préféré laisser. Pour l'instant, ça va. Ça peut être pire. Ça peut être beaucoup pire. Ouais. On a mis l'animal en anesthésie générale, donc complètement inconscient. Et là, c'est là qu'on peut mobiliser en sécurité un cheval. On peut faire tout. On peut le lever, on peut amener un hélicoptère, on peut faire ce que vous voulez après. Pour tous ceux qui transportent des chevaux, nous, en chirurgie, c'est comme ça. On les accroche au pâturon, il n'y a aucun risque qu'ils fracturent, qu'ils se blessent, il n'y a pas de risque de myosite, d'entorse, rien du tout. Pour l'instant, on reste en anesthésie générale. Il est en train de se réveiller gentiment tout seul, c'est très bien. L'état musculaire, c'est ce qui m'inquiète le plus. Un cheval âgé, qui est resté, malgré tout, assez longtemps coincé, contraint et tout ça, il peut faire ce qu'on appelle une myosite, donc c'est un blocage musculaire. Et du coup, c'est ça qui peut limiter le réveil de ce cheval. En fait, on a entendu du bruit sur la terrasse et en fait, la ponette s'est coincée sur une palissade en bois qui couvrait les escaliers de la cave. Et donc, on l'a trouvée coincée. Ensuite, la palissade a cédé et donc elle est tombée dans les escaliers qui mènent à la cave. Ça, c'est les plus intelligents, c'est Mister Nal. Elle s'est dit, bon, j'arrive pas. Bon, après, elle a un très bon caractère, heureusement. Ah, oui, un caractère parfaitement, mais je veux dire.